Plouezoc est une commune située dans la baie de Morlaix. Elle abrite l'un des plus grands mausolées d'Europe. Ce monument préhistorique de plus de 8000 ans s'appelle le Cairn de Barnenez. Et pour le faire revivre, le Centre des monuments nationaux propose des animations, comme aujourd'hui avec cet atelier sur les techniques de fabrication de céramique néolithique. Les visiteurs qui viennent voir des monuments mégalithiques n'ont pas forcément accès à des objets. Donc, ce qui est bien, c'est de pouvoir en fait toucher certains facsimilés d'objets qu'on a pu retrouver donc ici précisément, et également donc d'appréhender les techniques de fabrication, d'avoir vraiment une relation très très proche avec ce que faisait un homme de la préhistoire il y a 6000 ans. Et pour cette docteure en préhistoire, l'intérêt est avant tout de transmettre un savoir, prendre le temps de faire comprendre et d'essayer. On a fait de la poterie et on a visité pour la deuxième fois le cairn. Qu'est-ce que tu as retenu ? Qu'on travaillait la poterie avec de l'argile, qu'on pouvait lisser avec des galets, de l'os. Se familiariser avec nos ancêtres, c'est l'intérêt principal de ces journées d'atelier. Ça rapproche l'être humain de 2012, de nos ancêtres qui ont 6000 ans, qui vivaient pas si différemment que nous. Le 17 et le 24 avril prochain, le Cairn de Barnenez propose de replonger dans les techniques préhistoriques, celles qui fondent notre société actuelle.